Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va mieux. Bien, non, pas encore, mais ça va mieux. On est lundi aujourd'hui, donc on est lundi 24. Là, je viens de finir de manger, je me suis lavée, j'ai mis un tout petit peu de poudre, de fond de teint. Là, je vais finir de me préparer parce que j'ai un devoir 14h avec la psy. J'ai décidé de reprendre les vlogs maintenant, de reprendre à filmer parce que ça me manquait trop. Mais avant tout, je voudrais vraiment, vraiment vous remercier. Merci à tous pour votre dernier message, en fait, sous ma dernière vidéo, pour vos messages sous ma vidéo. Les témoignages de toutes les mamans que je reçois tous les jours, des mamans anges. C'est vraiment super, super, super gentil. Et vos messages de soutien, vos messages d'amour surtout. Parce que je reçois tellement d'amour, je ne peux pas savoir à quel point ça me fait du bien. C'est un truc de fou, c'est trop, 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 trop bien. Vous m'envoyez plein, plein, plein d'amour. Et merci, merci pour ça. Merci, merci vraiment à tous. Ça me touche énormément. Je vais essayer de mettre mes boucles d'oreilles parce que je crois que je suis un peu en retard. Ça me touche vraiment, mais vraiment, vraiment, vraiment. Et après, pour les autres, eh bien, c'est pas grave, je m'en fous. Voilà. Comme je disais dans ma dernière vidéo sur Facebook, pour ceux qui ne sont pas contents, qu'ils en auront le vol de me suivre ou qui pensent que je m'expose trop, arrêtez de me suivre et puis basta, ça s'arrête là. Maintenant, bref, je ne vais plus en parler. Ben, vous, dites-moi comment vous allez depuis tout ce temps. Moi, ça va. Depuis le décès de mon bébé, ben, je suis à la maison. Je suis restée un peu à la maison pendant un mois, mais je pense que je ferai une vidéo sur ça parce qu'on me pose beaucoup de questions, mais je pense que je répondrai dans une vidéo à part. Peut-être que je ferai une vidéo pour vous dire comment j'ai réussi à surmonter tout ça, à surmonter. J'ai pas encore vraiment réussi, mais j'arriverai plus ou moins à sortir ma tête de l'eau, on va dire ça. J'avance. J'avance parce qu'il faut avancer, parce que j'ai pas trop le choix aussi. Et dans la vie, on tombe tous. Quand on tombe, il faut essayer de se relever et être forte. Mais là, je dis ça, mais au début, il y a quelques semaines, je ne pense pas que j'aurais dû vous aurais dit ça. Désolée, ma perche allait tomber. Voilà, vous savez quoi, on m'appelle, je suis la meuf, toujours en retard, c'est un truc de fou. Là je suis encore en retard, je suis en train de marcher super super vite pour arriver. Toujours, toujours en retard, c'est abusé. Alors que là je suis à la maison de base, hein. Et en plus j'ai même pas le numéro de la psy pour l'appeler pour le prévenir que j'arrive. À la suite. Hello, alors là il est 15h30, je sors de chez la psy. Ça s'est super bien passé, je crois que c'est la dernière fois que je vais la voir. Parce que je pense que là, je ne ressens plus le besoin en fait, d'aller la voir. Donc là, du coup, je lui ai dit que pour l'instant, ça va. Mais dès que je vais, je peux reprendre rendez-vous avec elle. Et je suis dehors, donc je vous reprendrai plus tard dès que je rentrerai à la maison. À de suite. Comme je vous disais, ben, mon rendez-vous s'est super bien passé. Là, c'est bon, je suis rentrée. Allez, bébé, les câlins. Allez, tu dis bonjour. Ça fait longtemps que tout le monde t'a pas vu. Les gens, ils demandent de tes nouvelles à chaque fois. Vous entendez ce ronronnement? Donc je vous disais oui, ça s'est bien passé. J'ai encore un peu pleuré avec elle, c'est normal hein, parce que quand on raconte ce qui va pas, ben, c'est difficile. Attendez, je vais allumer. Donc là, je suis rentrée. Je dois vite fait passer à la poste pour aller déposer la prolongation de... Pas la prolongation, en fait, mon arrêt de travail, parce que du coup, je commence à travailler la semaine prochaine. Et il faut que je passe à la pharmacie récupérer quelques médicaments. J'ai un bouton là. Il faut que je passe à la pharmacie récupérer quelques médicaments. Et aussi, je dois aller à la poste. Ça, je sais que je peux le poster dans n'importe quelle boîte. Dites-moi si vous aussi, vous faites comme moi. Quand vous avez des lettres et que vous n'avez pas d'enveloppe, genre, vous avez des enveloppes à trop. Je mets toujours dedans, je m'en fous et je marque l'adresse juste à côté. Mon bébé, il veut des câlins, mon chat. Il s'est senti seul parce que j'étais pas là. Alors qu'il passe toute la journée avec moi d'habitude. Hein, tu te sentais seul. Mon chat. C'est ça son problème, il aime trop jouer avec mes cheveux. Regardez-moi ça. Stop, Malé, ça y est. Donc voilà. Et aussi, il faut que je passe à la poste pour aller peser ça. Je sais pas si vous connaissez. En fait, c'est un genre de panier en osier que je vais mettre en décoration. Et du coup, j'ai deux copines qui ont vu, à qui je dois vendre parce qu'elles m'ont demandé la même chose. Ma mère qui me l'a ramené de Guinée, c'est artisanal, c'est fait maison. Ça fait à peu près 48 cm. J'ai deux copines qui l'ont acheté et je me disais peut-être qu'il y en a entre vous qui aimeraient bien aussi l'avoir. Donc si ça vous intéresse, dites-le moi. Parce que là, je vais le mettre en déco chez moi comme ça. Je prendrai une photo sur Instagram et je vais vous montrer ce que ça donne. J'ai des paniers comme ça en osier. Vous pouvez soit mettre comme ça va être super joli. Attendez, je vais vous montrer. Soit au-dessus de la télé comme ça. Vous voyez, ça fait un genre de déco. Ou soit comme ça.
Donc là, du coup, je vais passer à la poste pour savoir combien ça va me coûter d'envoyer chez ma copine. Parce qu'il y en a une qui est à Marseille, c'est bon, je vais pas l'envoyer par la poste. Mais celle qui est en dehors de Marseille, il faut que du coup, je l'envoie par la poste. Parce que je peux pas aller chez elle. J'ai ça et j'ai aussi ça. Toujours en osier, en rotin, je crois, c'est ça. Osier et rotin. Rotin. Je vous écrirai en bas exactement. Comme je vous disais, ben, avant que ça coupe, parce que tout à l'heure, on était en train de parler dans la salle de bain, je crois, avant que ça coupe. Ben, ça va mieux, ça va mieux. Je ressouris, je revis, ça va mieux. Après, il y a des moments beaucoup plus difficiles. Il y a des jours avec et des jours sans. Et les jours sans, ben, c'est beaucoup plus compliqué. Les jours sans, ben, je ne vloguerai pas parce que c'est beaucoup, beaucoup compliqué pour moi. Mais les jours avec, ben, je vais essayer de vloguer au maximum, de vous partager, de continuer de partager parce que vous m'apportez vraiment énormément. Mais quand je te dis énormément, vous m'apportez énormément. Après, mon homme, ma famille, mes amis, c'est vous. Sérieusement, c'est des gens comme vous que. Dont j'ai besoin, que je sais que vous êtes là, quoi. Vous êtes un peu de la famille, c'est pour ça que je vous appelle la famille. Allez, faut que je sors vite, je dois vite aller faire mes courses et après je reviens et je vais faire le ménage à la maison. C'est rangé, mais il faut que je nettoie le sol. Oh, je vous ai pas dit, Chaton, il a fait le sol. Mais oui, ça fait longtemps, c'est pas vu. Regardez. Il n'a pas complètement terminé, mais il a posé au moins le sol. Je sais pas si vous vous rappelez. Si j'arrive à trouver une photo, je vais vous mettre la photo quelque part. Là, il manque notre barre de seuil. Ici, et la barre de seuil entre les toilettes et le hall d'entrée, le couloir. Voilà. Et là, il manque mon meuble, la déco, il manque des trucs ici. Normalement, je vais faire tout ça le mois prochain. C'est prévu de décorer la maison et de faire plein, plein de trous pour mettre mes paniers, ma décoration. Voilà, je vous laisse et à tout à l'heure. Hello! Là, je vous retrouve, il est 20h. Hi! Je suis avec ma soeur Marie. On est venu pour son appartement. Elle vient d'avoir un appartement, il faut la féliciter. Ça y est, enfin. Je suis trop contente. Ce soir, elle est venue. Elle est contente, elle est fière d'elle parce qu'elle a un appartement. Et il y a quoi on appelle ça? Ok, mais ça souffle pas. Il faut rester longtemps appuyé dessus, je crois. Non? Ah, c'est là-bas. Oh là là, qu'est-ce que je fais? Faut que tu te lèves. C'était de l'autre côté. Oh putain! On est au côté entrée, c'est ça? Mais enfin, je sais pas. Bah non, c'est là, non? Bah oui. Comment ça, c'est de l'autre côté? Mais regarde, de l'autre côté, ça c'est ouvert. Ah merde! On est au côté sortie en fait, alors que l'entrée se trouve. Oh non! On est au côté entrée, okay. La sortie se trouve de l'autre côté. C'est ça. Bah non, c'est bizarre parce que là, ouais, c'est sens ça, interdit. Tu sais, t'as pas ouvert la bonne porte en fait. Le bon portail. On parle du portail depuis tout à l'heure. Ah ben ah, voilà. D'accord, ok, j'ai compris. En bas, c'est la sortie. En haut, c'est l'entrée. Donc là, du coup, on est vers les deux portails. Et du coup, on va manger McDo. Et là, on va me payer McDo. On va aller chez McDo et on va manger. Bon, on mangera à la maison au pire, parce qu'il y a Chaton aussi. Ah oui, ok. Ouais, on ira manger à la maison. Voilà. On se retrouve tout à l'heure. Je vous montrerai tout. Et peut-être demain, je vous montrerai le vlog. Voilà, bisous. Bisous, bisous. À tout à l'heure. Hello, ça y est, là je suis rentrée à la maison. Il y a Chaton qui est en train de jouer à la play. Et O'Malley qui essaie de sauter sur la perche. Je mangeais avec ma petite soeur. Après son appartement, en fait, on est parti manger. On a mangé McDo. D'ailleurs, merci Marie pour le McDo. Et moi, j'ai acheté McDo pour Chaton. O'Malley, stop. Voilà, donc là, je vais me changer. Je vais... Peut-être aller... Non, je vais pas me laver là ce soir. Je me suis lavé déjà ce matin. Je vais juste me changer, me démaquiller, me faire une tresse et aller me laver le visage, me brosser les dents, puis me mettre dans le canapé pour regarder la télé. Voilà. J'espère que ce vlog vous a plu. Eh bien, tu veux dire bonjour ou pas? Bonjour ou pas? Ça fait Salut. longtemps. Ou pas? Ben, il veut pas trop. Là, elle est pas coiffée en plus. Donc voilà, je vais me brosser les dents, me laver le visage, me faire une tresse, me mettre en pyjama
et me mettre dans mon canapé. Voilà, j'espère que ce vlog vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de mettre un commentaire et à bientôt dans un nouveau vlog.